Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 16 de notre aventure sur Resident Evil Village. Souvenez-vous, on avait réussi du coup à vaincre l'épreuve d'Urias et de Heisenberg en vacant tout simplement le gros monsieur Hulk de ce Resident Evil Urias. Et puis ben, après on avait fait un peu des petites opérettes à droite à gauche pour essayer de se remettre un peu bien au niveau stuff. Et puis on avait récupéré quelques petits trésors à droite à gauche avant de mettre des bocaux et avoir le calice. Et ce calice va nous permettre d'avancer dans l'histoire tout simplement. Mais on est arrivé ici du coup au niveau de la petite maison qui est ici. Et avant de démarrer cet épisode, j'ai vu qu'en fait qu'on pouvait directement accéder au trésor de la rive pas loin après en accédant à cette petite porte qu'il y avait à côté du pont. Et donc on va y aller tout de suite pour on va peut-être actionner ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Sûrement débloquer 2-3 trucs. Voilà. Non, évidemment. En vrai, est-ce que je peux faire quelque chose tout? Ouais. Voilà, nice. Il y a pas un autre torche. Non, il y en a plus de torche. Bon, bah ça, c'est ouvert ça, impeccable. Et ça a ouvert la porte aux des monstres. Ouais, il y a des monstres pas loin. Ok. Faut mourir, monsieur. Merci bien pour ton stuff. Si tu veux. Non, tu donnes rien, toi. Le crevard. C'est un crevard. C'est un crevard, lui. Ok, bonjour, monsieur. Nice, merci bien. Ah, il donne rien, quoi. Je suis génial. Ça donne rien ici. Des crevards ici, dis donc. Oh, dis donc, c'est des crevards là. C'est quoi ça? Il y a que dalle. Ah, on n'a pas tout fouillé. Il faudra fouiller après. Non. Oh là 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 là. Oh là là, la monnaie. La monnaie, ramasse la monnaie. Ralasse, ralasse, ralasse. Oh, ça ralasse douce. J'ai bien fait de venir ici là. Contrairement à vous, je ne donnais rien là. Allez, hein. Ça meurt, hein. Oui, il donne rien, hein, vraiment, hein, ces mecs. Ok. Bon, là, on est fouillé, du coup. Là, on va baisser, quand même, pour voir s'il y a quelque chose. Ah, putain! Oh, j'ai pas vu. Je t'avais pas vu, toi. Ok. Est-ce qu'on peut passer en dessous, du coup? Non, on peut pas passer en dessous. Attends, il y a quelque chose, alors, du coup, apparemment. Mais quoi? Eh, mais vous sortez... Il y en a combien, là-dedans, là? Il y a des rats, là. Allez, hein. Faut vraiment mourir les mecs là. Bon. Bah, visiblement, il y a quelque chose, mais je vois pas. Bon. Ah, voilà. J'ai fait, c'est bien que j'ai développé ça. Bon. Tu fais les conneries là. Allez, hop. Et un. Hein. Ça suffit les conneries. Bon, je crois que ça va être à l'infini. On va laisser de côté. Hop. On va diriger là-bas. Attendez, on a. Ok, on a une salle là. Ah, on a un truc là, ok. Après, c'est ça. On appuie sur nos snipers. Ok, le coffre est juste ici. Faut que je réussisse à ramener ça de là. Oui, crame, wesh. Oh, vas-y, viens. Oh, trop bien. Ah, ouais, c'est ça, en fait, c'est ça la solution. Ah, ok, vas-y, viens, coucou. Tu vas m'allumer ça. Allume, allume. Voilà, impeccable, merci. Merci, torche humaine. En fait, c'est pour ça qu'on l'avait on les avait en infini. Ils servaient pour l'énigme, en fait. Bon, nice, du coup. Let's go. Dimitrescu en or. Oh, ça doit valoir cher, ça. Oh, ça doit valoir cher. Ok. Et bah, parfait. Du coup, on a récupéré le trésor de la rive. Ah, on n'a pas tout récupéré. Attendez, attendez, attendez. Il y a des petits trucs à récupérer, visiblement. Y'a pas quelque chose de ouf, oh, non? Ah si, munitions, voilà. Ok, là c'est bon je pense. Ok, nice. Et bah écoutez, let's go. On va ressortir de là-bas. On va aller revoir le duc quand même. J'aimerais un peu... Quoique en vrai, on a déjà vendu pas mal de choses. Ils vendent rien de particulier en ce moment. Donc on va aller reprendre la route et on va aller enfin déposer ce calice que je vous avais promis de poser dans l'épisode précédent. Mais au final, il y a une petite
Déviation. Allez, go. Allez, go, allez, go. Quoique, après, si ça sert, je me sens quand même de plus en plus à la fin du jeu. Si ça sent la fin du jeu, j'ai pas envie que. On n'ait pas vendu tous nos stuff. Hein. En vrai, j'aimerais bien quand même tout vendre. Hein. On va aller revoir le duc, c'est pas très loin. On va aller revoir le duc, c'est pas très loin. Allez, go. Allez, go. C'est l'histoire de quelques secondes. On va aller revoir le duc, revendre ce qu'on a. Et cette fois-ci, promis, on y va. Direct sur le calice. Pour déposer ce truc-là sur le. Le symbole d'Umbrella où il y a les 4 rois. Si vous vous souvenez bien de là où on était passé. Hop. Allez, go. On va avoir notre petit duc. En plus, ça va nous permettre de save. Ça, c'est pas trop mal. Bienvenue. Allez. On va lui vendre. Manger, c'est vivre. Rubis en trojon. Combinable. Donc, ça, on va le laisser. Combinable aussi. Combinable. Dimitrescu en or. Ça, on va vendre. Ah ah. Et ça, on peut vendre aussi. Nice. Et ben voilà. Impeccable. Le bazar, t'as rien à vendre, bien sûr. Atelier, on peut du coup encore améliorer. Peut-être un petit. La capacité de ça, ça pourrait pas mal. Mmh. Quoi? Ah, ça y est, c'est terminé. On peut améliorer la cadence de tir de ce pistolet, allez. Et puis sa capacité, allez hop, comme ça, mmh. Le pistolet, il est full. Obtenir de la marchandise et. Je vous souhaite de faire. On va sauvegarder. Et allez, bonne en route. Merci mon duc, allez, en route. Direction ce truc pour aller poser le calice là. On y va, let's go. Alors, c'était en face de toute façon. Et je crois que sur le chemin on avait tout fait ici donc. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ok. Ça sent mauvais. Ok, on y est. On y est, on va déposer ça. Et advienne que pourra. Calice des géants, c'est parti. What? Ok. C'est un ascenseur, du coup on tombe avec ça, super. Ok. Je sais pas où ça nous mène encore une fois. Bon, vous l'aurez compris en fait, les ascenseurs qui mènent dans le jeu, c'est des temps de chargement pour chercher cette partie de la map. Hein. Ça, y a pas photo. Juste pour faire genre que. Et au final, c'est pour charger une partie de la map. Parce que j'ai regardé un let's play en fait, et dans le let's play de Nintendo Boy, souvenez-vous, il y avait un ascenseur assez long pour aller chez les Bementos. Et lui, bizarrement, c'était quand même assez court, la montée de l'ascenseur. Donc je pense qu'en fait, c'est lié au chargement de chacun. Donc moi, par exemple, je charge moins vite, donc j'ai plus de temps dans un ascenseur en fait. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est des temps de chargement cachés dans l'ascenseur. Ok, on y est. On y est, c'est pas... T'inquiète pas pour la gamine, Ethan. Tout ira bien. Ah! Allez, dépêche-toi de traverser le pont. Ok. Eisenberg est en face et ça sent le gigaboss bien dur, bien vénère. Allez, on y va. On y va, direction l'usine. Winters, bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moro, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Mais c'est ça, oui, mon œil. Mon œil, qu'est-ce que tu prépares, oui? On se le demande. Il y a des tanks et tout, quoi. Qu'est-ce qu'il faut des tanks ici, eux? Oh là là, ça sent tellement mauvais, ça.
Ça sent la merde. On va tout fouiller ici. Hein. Il y a peut-être des trucs cachés à droite à gauche dans les hautes herbes là. Peut-être de la ferraille, non? Il a l'air d'avoir que dalle encore. Ouais. Non, il y a que dalle. Hein. Il y a que dalle. Attention, c'est par ici qu'on entre. Ok. Bon, non, j'attends. Hein. Je me permets de visiter un peu le tour propriétaire, Lindenberg. Si tu permets bien. Ouais, non. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ok. Allez, il y a un petit truc quand même. Un peu de ferraille, au moins. Au moins ça. Allez. C'est parti, on entre. Let's go. Ok. Ça ressemble à tout ce qu'il y a de plus normal, une sorte d'établi, d'atelier. Des pots de noir, je prends. On a une porte qui est bloquée ici. Ok, bon bah. On a pas trop chaud, j'ai envie de vous dire, let's go. Ça me fait peur. Hein. Enfin, j'ai la bouche pâteuse. Hein. Je sens le gros piège de merde là. Bon. Bah écoutez, on va passer là. Hein. On va passer par la porte, on n'a pas le choix. Ok. Les fluides chimiques, je prends. C'est assez particulier ici. On va interagir avec ça. Mia? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres? Comme ça, tu pourras sauver Rose, c'est ça? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi, ce boucan! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Mais si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Ok, on se raccroche à la vie au sommet du bruit, c'est parti. Moi j'aurais dit non, hein, j'aurais accepté moi pour voir que Miranda est le bordel. Et quoi Ethan, pourquoi on se raccroche à la vie là? Un cul-de-sac. Merde. Merde, on est dans les... Merde.
faire. Je mens. Ah ouais, bah là je suis mort, bah ouais. Ok, bon, on va se tromper de chemin, yes. Bon, ça va être un truc comme ça tout le long. Génial, c'est reparti, on recommence, let's go. Donc, bah du coup, j'ai compris, c'est pas à droite, c'est à gauche. Je suis pas sûr. Allez, go. Oh là. Ah putain. Mais, ça, il faut pas mettre dans ce sens, les gars. Non, je suis... c'est pas là. Du coup, à gauche, là. Attends, mais c'est ça, elle est où, là? Un cul de sac. Je comprends pas. Attendez. Attendez. Non, c'est rien. Bah non, j'ai encore mourir. Je comprends pas. Je vois pas. Non, là, non, mais là, par contre, je vois pas. Hein. Je vois vraiment pas comment on peut en passer en fait là. On va recommencer, mais là. Par contre. Ah putain! Ça passe. Ouais, ça passe pas ici. Je suis obligé de passer là en fait. Je suis obligé de passer ici en fait. Je vois pas autrement en fait. Il y a forcément un truc à interagir. Je vois pas. Oh putain, c'était là. Allez, entre! Oh, mais j'ai pas vu. Encore une fois, c'est moi qui ne pas si malheureusement, bah je vois pas ce qui passe. Oh la vache, ça cachute. C'était quoi cette horreur? Oh, c'est une horreur, mais j'ai pas envie de savoir c'est quoi ce nom. Ok. Bon, c'est juste moi en fait, deux fois de suite, j'ai pas vu qu'on pouvait passer par un petit trou sur le côté, j'avais pas vu. Ok. Bon, et du coup, ici, on aura beaucoup quand même de poudre noire. On aura très peu de plantes. Donc, pour l'instant, ça va être compliqué, je pense. Ok, nice. On va faire ça. Ah, c'est qu'il est là-bas. Hein. C'est qu'il est là-bas. Il nous suit, hein. Il nous suit, le con. Vas-y, mon tétane. Hop là. Petit saut de gribouillette. Et on est en haut de l'échelle. Bon. Ok. Ah, un petit zombie. On dit pas non, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr, on dit pas non. Oh, c'est des zombies carrément Terminator, les mecs, là. Oh, c'est des zombies Terminator, là. Attendez, hop. On va pas s'embêter, s'équiper. Hop. Eh, vous venez, vous venez, voilà. Ça suffit, connerie. Voilà, nice. Ok. Il y a tout un mélange avec les cristaux, le métal ici, ça c'est particulier quand même, comme univers. Mission de piste de jeu, prends. Et on va passer par ici. Monsieur ou pas l'autre là? Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air, il a pas l'air là. Allez, go! On va passer dans ce petit conduit d'aération. Échelle. Ouais, je décris tout ce que je vois. Hein. Oh, elle est longue. Putain, je suis où là? Il faut que je remonte. C'est échappé d'usine. Oh là là, c'est l'usine qu'on voit dans les trailers. C'est une usine humain. Oh la vache. Oh que c'est glauque. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec tous ces humains? Je pense que c'est une usine à transformer à Lycan. Parce que les Lycans sont à ses ordres. Donc il y a moyen que ce soit peut-être ça. On peut passer ici, ok. Ah, le duc! T'es où? Wesh, frère! Attends, j'ai entendu le duc, il est où, là? Hein? Oui, toi, il est où, le duc, là?
Qu'est-ce qu'il est, Duc, frère? Il est au bout, hein. Ouais, il y a des choses ici. Ok. Il y a une porte blindée. Il n'y a pas ici, non? Non, rien du tout. Ah, mais attends, il est où le Duc, là? Il doit être dans l'autre salle à côté. Attendez, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Le Duc, il doit être ici. Ah oui, il était là, mais je t'ai pas vu, mon gars. Je vous propose de nouveaux services. Venez. Ok, on va save un coup. Voilà. Parce que qui dit Duc, il save. On a des trucs ascenseur. B1, 3, 4. Ça, c'est pour faire descendre l'ascenseur, je suppose. Vous cherchez quelque chose en particulier? Alors, est-ce que tu as des choses à nous vendre dans le bazar? Ah, bah oui, du coup, nouvelle zone, il va nous revendre enfin des balles. Bah, j'en ai besoin. Hop, on prend tout, hein. On rafle tout. Je vois. Autre chose? Oui. On rafle tout. Désolé. Ah, oui, j'ai plus mais de balles. Je ne pratique aucune réduction. Ah, non, mais j'ai plus de balles, pardon. C'est ma faute. Ah, on peut encore améliorer la mallette, ça fait plaisir. Ok. Vous avez assez de puissance de feu. Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Eh ben, attendez. Ah ouais, il peut encore faire. Ah ouais, il peut encore améliorer les armes. Trop bien. Ok, trop bien. Je vous souhaite de faire bonne route. Bon, on va rester à cet étage. Je pense que ça me paraît pas mal. On a la carte. Le sous-sol. Matériaux. D'accord. Donc, les humains, c'est des matériaux pour lui. Ok. Alors, allez, on va aller faire ce couloir et on va l'explorer du coup. Enfin, voir si on peut interagir avec cette porte déjà. C'est sûrement ce qui verrouille la porte, ça a l'air facilement destructible. Okay. Monsieur. Hop. Bon, le Terminator est pas très solide, hein, par contre. Ah oui, du coup, ça fait une petite défense pour le crâne pour éviter de leur tirer dessus. Directement dans le crâne. Ok, on va monter là. On a une nouvelle porte ici. Bien, bien, bien. Un truc là, non? On a rien du tout là, moi. Où est-ce que ça nous mène? Oh, je suis en train de me perdre. C'est tellement sombre, cet endroit là. Oh là là. Il y a des trucs à côté, je sais pas ce que c'est. Et si on a sûrement l'autre monstre qui est en train de courir après aussi. Je me perds là, j'explore, je me perds, je sais pas où je vais là. Où est-ce qu'on est là? Ok, on me casse ça, c'est nice ça. Pour des balles. Oh, ou un explosif aussi, je prends. Je cherche des snipers aussi, tiens. Donc, même occasion. En vrai, on peut s'équiper sur ça, du coup. Raccourci, hop, place de snipe, justement. Nice, voilà. Attendez, F. Non, je sais pas pourquoi ça veut pas changer avec F. Bon, on a tout fouillé ici, hein, apparemment il n'y a pas grand chose. Il venait par où les mecs là? Par contre, parce que j'étais là. Ils sont venus d'ici. Ok, la porte, je l'avais, vous voyez pas. D'accord. Ok. Ça, je reconnais, c'est les trucs pour maintenir là les. Les pièces quand tu veux les souder, faire des trucs à taper dessus, etc. Ça c'est verrouillé. Ça, si je renais, c'est du gros boulon là de 20 cm ça.
Bon, je suis pas du tout bon pour le moment, je sais pas du tout. Je connais ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça en gros, c'est tout ce qu'il met dans le corps du zombie quoi. What the fuck? Ok. Un footing que je prends. Interagir, va falloir faire quelque chose dedans. Et je prends. Là on a quelque chose ici, visiblement. Ah ok, il va falloir utiliser ça pour forger quelque chose et foutre dans le truc là ici. Enfin je pense que ça va être ça. Donc il va falloir sûrement trouver du matériel pour forger ça dedans. Ok. Ouais, tu vois, il y a deux trucs à faire, deux interactions. On va passer là. Hein. Bon, c'est là où ça nous mène. Écoute-toi. On s'en fout bien là. Et un. En vrai, ça. Les gars, j'ai fait beaucoup de bugs. Donc, 4 points. Faut mourir, messieurs. C'est bon. Crâne polycristallin. Ok. Là, il faut un crochet. Ouais, tu sais, crochet, let's go. Allez, ouvre-toi, Sésame. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du quartz jaune. Nice. Ça, ça se vend. Je dis pas non. Bon, c'est très sombre, hein, mine de rien. Cet endroit. Est-ce qu'on a tout fouillé? Non, on n'a pas tout fouillé. Attendez, il y a un interrupteur là? Ah oui, si. On dirait qu'il n'y a pas assez de courant. On va remettre du courant là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire hein, dans cet endroit. Contrairement à Mourou ou à Benevento, là ça va être assez long quand même, je pense. Ça va être à peu près, je pense, la même longueur que Dimitrescu. Il y a moyen. Hein. Et je prends. Ça va se réveiller. Hein. Ça, je reconnais, ça va se réveiller, ça. Hein. Ça va se réveiller, hein, je reconnais. Hein. Doute, hop, voilà, comme ça, il se réveillera pas. Hein. Voilà. Bon. Il y a pas vraiment, il y a pas autre chose là-dedans, là, vraiment à faire. On a des vapeurs ici. Bon. Visiblement, il n'y a rien d'autre à fouiller là-dedans. C'est là du coup hein. Bah écoutez, on peut pas faire grand chose là. Ah, pour moi, ok. Bon, cette salle est faite, mais par contre l'autre salle apparemment il y a des trucs. Il y a encore des trucs dedans. Ils disent. Ce sont des choses là. Non? Là j'avoue que je sais pas trop. Ah bah oui, il y avait des trucs derrière, voilà, j'ai pas vu. Incroyable, le moule, on a le moule. Impeccable, on a le moule. Putain, bah je m'en doutais, et pourtant on lui met des coups plutôt, hein. C'est Iron Man le mec. Wesh, c'est Iron Man le gars. Wesh, le balle. Allez, hein, ça dégage. Cœur mécanique. Oui, bah là, moi aussi, hein, Ethan, au bout d'un moment, on est plus trop surpris par des trucs pareils. Mais d'ailleurs, il me semble qu'on avait vu une image d'un schéma de ce monstre. Hein. De. Je sais plus où, mais on l'avait vu quelque part. Ok, bah du coup, on va aller à la fonderie. Direction le moule. On va mettre le moule là-dedans. Voilà, moule relief. Voilà. Ça va faire du coup ce qu'on veut.
Impeccable. Hop. Chauffe, 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 chauffe. Et refroidis vite. Et après, on va pouvoir le mettre dedans et débloquer un passage. Impeccable. Ça semble utile. Et oui, c'est utile. Et on va le mettre ici. Ok, nouveau passage débloqué. Câble. C'est cool. Une balle ici. Oh putain. Oh, je t'avais pas vu, toi. Je le prends, merci. Viens. Ouais, tout ce qui est en bas. En vrai, avant d'entrer là-dedans, de toute façon, je non, il va falloir une clé. Il va falloir la clé d'Eisenberg, donc on va descendre, de toute façon, il n'a pas le temps de voir. Oh là là, non mais je vais pas descendre autant en fait. Oh là 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 là, salle des machines maintenant. Là on est au bout, il n'y a rien de particulier. Oh, ça me rappelle un petit peu le... la petite usine qu'il y avait sous le Comico dans RE3. Ou RE2, je sais plus. Ça me rappelle un petit peu ça. Ah putain, mais oui, il faut éviter les coups des machines, bah ouais. Allez, hein, je prends deux coups gratuits, ça fait plaisir. Attendez, du coup, il va falloir faire gaffe. Ce serait bête de se faire tuer. Ah, ok, d'accord. J'interagis avec ça. Ok. Ok, ok, ok. Ah, ça use tellement de balles pour rien, ça va. Par contre, oui, je suis bête en vrai, mais je peux en fabriquer des balles là. J'ai du soin. Des balles. Ça, j'aimerais bien en faire au moins une. Voilà. Voilà, là, on s'est bien remis en balles. Hop. Ok. Ok, encore des zombies, ça fait plaisir. Bienvenue, messieurs. Dégage. Oh, bonjour monsieur. Ça dégage, j'ai dit. Allez, hein, faut mourir. Hein. Hop, ça je prends. Merci bien pour tous vos petits trucs que vous avez eu sur vous. Ça fait bizarre de vous piller. Ok. Alors là, on a quelque chose. Non. Ok, c'est un peu loin. C'est un petit peu loin. Ouais, interagir avec ça. On va essayer de tirer dessus. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Ah! Non, arrête. Arrête là. Attendez. Quoi? Mais arrête! Non. Attends, je suis en train de gâcher toutes les balles, c'est une blague. Attendez, what the fuck? C'est beaucoup trop chaud là! On va faire sur celui-là, je pense d'abord. Là. What? Non, mais je vais pas tirer d'un coup. Pourquoi ça tire tout d'un coup? Oh non, mais c'est une blague. Bon. Allez. Hein. Bon. Est-ce que c'est plus facile du coup de tirer dessus? Non, pas du tout. Mais là, je vais me faire tailler des là. C'est trop chaud là, les gars. Faut se calmer. Faut se calmer, c'est trop chaud. Attendez. Fuck. Non mais arrête, non, c'est bon, c'est bon. On va faire lancer là. Ah, ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché, on va s'équiper de ça, peut-être que ça ira mieux que le sniper. En fait on peut pas, je pense, tirer de là. Pourquoi je tire là?
possible. Attendez. On va s'éloigner. On aura peut-être une... Ouais, on va faire comme ça. Quoi? Mais c'est incroyable. Non, arrête. Non, j'ai tiré trop tôt. Non, arrête. Non, c'est... Attends, ça a misé mes balles pour rien, là, ça. Hein. Cette connerie, hein. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, ce jeu. Non, ça peut pas, en fait, hein. Bon. Et... Allez, hein, on court. Non, vraiment, c'était de la grosse merde. Hein. J'ai usé toutes mes balles pour rien. C'est ridicule. Hein. C'est ridicule, vraiment. Il faut que je fasse des balles. Tain, j'ai plus rien. Bah, ouais, du coup, à nouveau, j'ai encore une fois plus rien. Ça, on l'avait cassé. Bonjour, messieurs. Ouais, un petit point safe quand même pour s'arrêter quand même. J'irai bien avec cet épisode. Je me cache pas. Je vais mourir, hein. Allez. Ok, voilà, c'est du timing du bouteille, hein, parce que là, je vois pas comment on peut passer. Ah, ça c'est... Par contre, l'autre est trop chaud en fait à tirer dessus, vraiment. Hein. J'ai usé toutes mes balles pour rien. Et ça, j'avoue que j'ai le seum. Ok, on va monter l'échelle, let's go. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'on n'a pas trop de points de save là. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va prendre tout ce qui est juste ici, et puis on continuera du coup l'épisode précédent, le suivant directement à partir d'ici. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et on se retrouve pour l'épisode 16 très très vite. À bientôt.